ces motifs d'espoir en fonction du premier match pour le deuxième? Quels sont-ils justement ces motifs? Você falou de alguns elementos de esperança pelos próximos jogos. Quais são esses elementos de esperança? Je pense que malgré le fait qu'on n'ait pas remporté le match, on a quand même réussi à se créer des situations dangereuses. Donc je pense qu'il faut qu'on s'appuie dessus pour avancer et puis essayer de corriger ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, je pense qu'il y a un coach qui est là pour ça et puis il y a la vidéo, on a déjà commencé à travailler hier là-dessus. Donc on s'appuie vraiment sur ces éléments clés. Mais il y a aussi beaucoup de. Dans un match, il y a toujours des leçons à tirer, il y a toujours quelque chose qu'il faut en tirer d'un match. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Un match n'est pas toujours négatif. Il y a toujours du positif qui en ressort. Maintenant, on va s'appuyer sur du positif parce qu'on a aussi besoin de ça pour la confiance, de voir qu'on a quand même réussi à réaliser de belles choses. Mais aussi, surtout,